Depuis le tout premier câlin pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière, les monstres cachés dans les placards attendent pour surgir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont aucune méchanceté. Ils ne font que leur travail. Il n'y a personne ici. Il devrait y avoir un enfant. Alors s'il n'y a pas d'enfant, alors là, comment on lui fait peur? Non, je panique pas. Inutile de s'énerver. Il n'y a pas l'ombre d'un enfant ici. On n'a qu'à vérifier la feuille de route. On est dans la panade totale. Bon, alors, 21h. Chambre d'enfant. Chambre d'enfant. Au cœur du brocoli. Brocoli? Donne-moi ça. C'est mon goli, Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli? Ben oui, un petit peu. D'accord. Tu te rappelles en cinquième année, quand tu passais ton temps à envoyer des billets doux à Suzy Bouilly? Je l'aimais. Tout le monde étudiait la géographie. On n'est pas en Mongolie. Je le crois pas, ce que j'entends. Blâmer le petit sans défense. Mais c'est un original. Ah oui, ah oui, il a dû tout lire de travers, hein, c'est ça, avec son seul œil. Oh, du tout, Mike, t'as tort de le prendre pour toi. Calme-toi, t'es beaucoup trop émotif. Fais pas la tête, mon petit nonna. Ah, non, commence pas. Non, non, je t'aime plus du tout. Non, je suis très en colère et je tiens à le rester. Bon, d'accord. Quelle planète? Regarde, regarde, devine, ouais. Quelle planète bon, d'accord. C'est d'accord. Moi, je vais faire le garde-manger avant que les biscuits noircissent. Eh ben, où tu vas? Eh ben, tu donnes pas ta langue au chat? Hé, hé, gros plot de poils! Gentil, le chien. Gentil. Oh là, le gros chien. Chien, chien, oh, là, tu lis, il y a un gros chien. Ouvre la porte! Ouvre la porte!